15 inspecteurs de l'IGF, dimanche, à Sonatrach, le général-major, Menadje Barlibre. La Turquie consacre une importante aide médicale pour l'Algérie. 23 pays sont concernés par les vols de rapatriement. Record historique de l'euro face au dinar sur le marché officiel. Quinze inspecteurs de l'IGF commenceront leur mission dimanche prochain à la direction générale de Sonatrach. Pas moins de 15 inspecteurs de l'inspection générale des finances, IGF, seront dépêchés à partir de dimanche prochain au niveau de la direction générale de Sonatrach pour entamer un audit profond du fonctionnement de la Compagnie nationale des hydrocarbures, a appris Algérie Part au cours de ses investigations. Cette mission d'inspection commencera par plancher sur tous les dossiers commerciaux, administratifs et techniques de Sonatrach. Cette mission d'inspection a été mise en place à la suite de la recommandation du dernier Conseil des ministres tenu le 13 juillet dernier et dans lequel Abdelmadjid Tebboune a réclamé un audit profond du fonctionnement de Sonatrach. Un audit qui doit déterminer avec exactitude le niveau des dépenses inutiles de la direction générale de Sonatrach et les divers dysfonctionnements qui causent des pertes financières considérables à la première société en Algérie, celle qui procure 98% des ressources en devise pour le pays. Depuis l'arrivée de Toufik Akar à la tête de la direction générale de Sonatrach au mois de février 2020, la mauvaise gouvernance de la Compagnie nationale des hydrocarbures a pris une dimension alarmante, comme il a été révélé dans plusieurs publications et enquêtes d'Algérie Part. Rappelons enfin que l'IGF est un organe rattaché au ministère des Finances et dûment habilité à contrôler et vérifier la gestion financière et comptable des organismes publics, quel que soit leur statut juridique, et parfois même, sous certaines conditions, des organismes privés, se positionne dans le collectif susceptible de prêter son concours aux magistrats désirant être éclairés sur les aspects techniques de fait soumis à leur appréciation. L'IGF peut être partie prenante, dans une enquête judiciaire soit sur réquisition directe des services de sécurité, en application de l'article 49 du Code de procédure pénale, CPP, traitant des enquêtes en cas de flagrance, soit sur réquisition de l'autorité judiciaire, pour aider techniquement les premiers lors d'une information, ou pour communiquer des rapports établis à l'occasion de missions, sachant que lesdits rapports peuvent constituer des éléments de preuve conformément aux stipulations de l'article 214 du Code précité. Le général-major Menadje Bar remis en liberté. Le général-major Menadje Bar a été remis en liberté ce jeudi 23 juillet, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. L'ancien patron de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, de 1995 jusqu'à 2011, est l'un des plus proches officiers supérieurs algériens du célèbre général Toufik, l'ex-patron du DRS. Menadje Bar a bénéficié de la liberté provisoire, soulignent nos sources en attendant la tenue de son procès au tribunal militaire de Blida. Il avait été placé sous mandat de dépôt, le 21 octobre 2019 par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. Menadje Bar a été accusé d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent et trafic d'influence, a-t-on appris de sources sûres. Rappelons enfin que Menadje Bar faisait l'objet d'une profonde enquête menée par la DCSA à propos de ses biens et son patrimoine financier qu'il aurait constitué en abusant de ses fonctions au sein de l'institution militaire. Menadje Bar était toujours dans les arcanes du pouvoir depuis de longues années. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation qu'occupait le général-major Lakhdar Tiresh, appelé à lui succéder à la tête de la DCSA. Menadje Bar était même pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Coronavirus, la Turquie consacre une importante aide médicale pour l'Algérie. L'Algérie recevra dans les prochains jours des aides médicales de la part de la Turquie pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. Cette aide est fournie dans les cadres d'accords bilatéraux signés entre les deux pays. Selon l'information rapportée ce mercredi par l'agence turque Anadolu, la Turquie fera un don de 25 unités de ventilateurs, 50 000 masques chirurgicaux, 25 000 paires de combinaisons de protection, 50 000 masques N95, 30 000 kits de diagnostic PCR et deux appareils PCR à l'Algérie. Les Turcs offrent aussi leurs aides pour d'autres pays à l'instar du Paraguay, qui recevra 50 000 paires de combinaisons de protection, 30 000 masques N95, 100 000 masques chirurgicaux, 2 000 lunettes de protection, 50 000 paires de couvre-chaussures et 50 000 paires de gants.
Toutefois, c'est la Serbie qui recevra la plus longue liste de fournitures médicales grâce à son traité respectif avec la Turquie, signé le 2 juillet. Les fournitures doivent être utilisées à l'hôpital public de la ville de Novi Pazar, au sud-ouest du pays. Selon la même source, la Turquie a envoyé une aide médicale à environ 140 pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ministère de l'Intérieur. 23 pays sont concernés par les vols de rapatriement. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a publié hier, jeudi 23 juillet, un communiqué concernant l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. En effet, l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger a été entamée le 21 juillet dernier et se poursuivra, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, jusqu'au 30 du même mois. Le ministère affirme que 23 pays sont concernés par ces vols de rapatriement. Il est question de rapatrier 11 084 Algériens bloqués à l'étranger à cause de la fermeture des frontières suite à la pandémie du coronavirus. Pour rappel, plus de 2000 Algériens ont déjà été rapatriés depuis le début de cette opération. Le communiqué du ministère rassure que d'autres opérations similaires sont prévues afin de rapatrier les personnes qui restent bloquées à l'étranger. Pour précision, le communiqué souligne que les personnes rapatriées seront mises en quarantaine pendant 14 jours, et ce au niveau des structures hôtelières destinées à cet effet. Au total, 65 établissements hôteliers ont été mobilisés pour accueillir les Algériens rapatriés, et ce à travers 20 wilayas du pays. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé 2 vols de rapatriement prévus aujourd'hui, vendredi 24 juillet, pour rapatrier pas moins de 230 Algériens bloqués en Allemagne et 300 autres au Canada. Les 2 avions atterriront au niveau de l'aéroport de Batna et d'Alger. Cotation, record historique de l'euro face au dinar sur le marché officiel. Le dinar algérien continue sa dégringolade face à l'euro. Hier, jeudi 23 juillet, la monnaie européenne unique a enregistré un nouveau record face au dinar sur le marché officiel, qui se rapproche du seuil des 150 dinars. En effet, le dinar algérien poursuit sa chute et trouve beaucoup de mal à résister aux autres devises qui le devancent, notamment l'euro qui s'échange désormais à 148,27 dinars dans le marché officiel de la Banque d'Algérie. De son côté, le dollar reste stable à 127,95 dinars. Ainsi, l'allocation touristique en Algérie est de 95 euros en échange de 15 000 dinars. Ces taux sont valables pour les opérations commerciales avec l'étranger, à savoir l'importation et l'exportation des biens et des services. Parallèlement à cela, la valeur de l'euro reste relativement stable sur le marché noir. Ce dernier a été fortement affecté par la crise du coronavirus et se trouve presque à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Cet arrêt porte à croire que la chute des devises sur les marchés informels est due à la situation sanitaire que traverse le pays actuellement. Au marché noir du square d'Alger, la valeur du change de l'euro est à environ 190 dinars, portant ainsi l'écart entre les deux marchés à 28,80%. Néanmoins, la situation actuelle du marché parallèle des devises risque de se prolonger encore. Dans ce même contexte, une forte demande de devises est attendue dès la réouverture des frontières. À cet effet, plusieurs importateurs se préparent en épargnant un maximum de devises pour relancer les échanges dès qu'ils en auront l'autorisation. L'économie est gelée à cause des restrictions et au confinement sanitaire imposé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ainsi, la reprise et le relancement de cette dernière est fortement attendue et prévoit une demande importante sur la devise. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.